Ok, on l'a verrouillé. On l'a bloqué. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Granny 2 à nouveau. On va essayer de le terminer. Donc c'est parti. Jour numéro 1. Donc maintenant je sais à peu près à quoi servent certains items. Donc on va s'en sortir, je sais à peu près où trouver chaque objet. Donc voilà, au moins j'arrive moins comme un noob dans le game. Et on va y arriver, vous inquiétez pas. Moi je sais qu'on va y arriver. Après les drops sont trop aléatoires. Donc là c'est cool, vous voyez, je vois un padlock. Maintenant je sais à quoi ça sert. Je sais que ça peut servir à bloquer Granny ou Grandpa. Là, si on arrive à le prendre, voilà. Et j'aimerais commencer par ça d'ailleurs. Donc maintenant j'ai moins peur de les voir arriver en haut ou en bas. Parce que je sais qu'au final je peux. Là c'est bien, vous voyez, on aurait pu le bloquer. Donc là j'ai un fusible, je sais qu'il va servir si on veut faire la fin de l'hélicoptère. Là il me faudrait une clé en bas. Si, je sais qu'on peut avoir quelque chose. Bon attendez, c'est risqué ce que je vais faire mais... ça vaut peut-être la peine. Ok, Granny m'a vu peut-être. Peut-être que Granny m'a vu, je sais pas, pas sûr. Ok, on l'a verrouillé. On l'a bloqué, ça c'est une bonne chose. Je sais pas combien de temps ça dure mais c'est une bonne chose déjà. Alors on commence comme ça. Wow, recule le vieux. Allez monsieur, dégage s'il te plaît. Le padlock, je sais pas si ça dure longtemps. Honnêtement, faudra me dire une durée dans les commentaires. J'espère que ça dure au moins une minute. Allez s'il te plaît, barre-toi. Barre-toi mec. Et ouais. Là il est en train de forcer hein. Tiens, s'il était pas là, j'aurais pu l'utiliser très très bien là. Il gagne énormément de temps. Il va partir à gauche, il va me mettre dans la merde. Ah! What? C'était quoi ce demi-tour? Oh mon dieu, ça commence très très mal là. Jour numéro 2. Fuck, fuck et fuck. Bon. Pas de luck, hein. Comme d'hab, on a pas de luck. Pas de confondre avec pas de luck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Pas de luck. Boat K. Vous voyez, ça c'est une bonne chose. Ah, il me voit, c'est bon, il me voit. Il arrive à me voir, le petit chenapin. Là, on va mettre ça là. Il descend ou pas? Parce que des fois, on voit leur corps à travers en fait. Prendre Granny, on la verra si elle descend. Ouais, Granny arrive. Je sais pas en fait. C'est lui, c'est lui. Non, mais il me semble que c'est lui. Il y a Granny et lui qui sont arrivés. On monte. Granny, c'est sûr que je l'ai vu. Lui, je suis pas sûr. Regardez le tiroir. Ok, la wrench, il me la faut absolument. Elle a mis un piège. C'est quoi, on va la tirer comme tout à l'heure. Esquive. Là. Le temps qu'elle arrive, la clé va me servir à justement le genre de petit ruisseau. Là, je vais le vider. Vous allez voir. Elle est où elle? Et on l'a bloqué. Lui il a mis la radio. Là on a le volant pour le bateau, je l'avais pas vu. On va le jeter en bas. Là, on a un fusible, il va nous servir pour en haut. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Non, c'est pas trop mal. Elle a ouvert. Elle a ouvert. Elle a pas encore ouvert. Elle va bientôt ouvrir. Dieu descend, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. On en profite. On monte. Bon, on va vérifier un peu tout. Là, ça fait du bruit. End wheel. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être le volant pour... ça arrive. Non, ça arrive pas. J'ai peur, hein. Ça m'inquiète qu'il m'attrape dans le dos maintenant. Honnêtement, end wheel, je sais pas à quoi ça sert encore. Hein. On va faire tous les tiroirs. Et ça arrive ou pas?
Non, pas encore. On a de la viande. On devrait la jeter en bas pour l'instant. Oh shit! Je me suis mis dans la merde. Attendez. Donc on peut pousser ça. Là, là normalement je suis tranquille. Ok. On a une pince. Donc je sais que derrière un tableau on a du courant parce que dans la partie précédente je l'ai fait. Là je fais tomber, elle vient de ce côté. Mais dans tous les cas c'est dangereux parce qu'elle est toujours là, aux alentours. Donc on va attendre qu'elle disparaisse. Là je vous cache pas que c'est dangereux quand elle est proche comme ça. Là. Le danger c'est de voir graine pas au même moment. Donc là j'ai coupé, vous voyez. Récupère la photo. Ok, elle m'a vu. La photo ça va me servir en haut. Donc on a une sorte de d'emplacement pour mettre trois photos en fait. Et on va compléter tout ça. Non non recule recule. Oh, des fois j'ai peur qu'il me touche de là. Ok là je suis un peu bloqué, je vous cache pas. Le grand-père il est venu déterre. Faudra qu'on tue le grand-père, il a la clé autour de son cou pour ouvrir la porte qui sera là. J'ai l'impression qu'on a l'autre photo. Je vais le pousser légèrement. Pas l'ouvrir. S'il faudrait un pied de biche. Oh, magnifique. J'ai le truc parfait là. Là, j'ai le truc parfait. Je m'en rendais même pas compte. Je l'ai même pas trouvé dans la partie précédente. Parce qu'il fallait un pied de biche. Là, je fais exprès de faire du bruit. Elle va se ramener. C'est cool, enfin. J'avais que le fusil tout à l'heure. Bon, le fusil, c'est cool, je vous le cache pas, mais... 2 minutes. Là, je suis tranquille, vous voyez. Je sais que je peux les taser pendant tout ce temps-là. M'écarter des coins, des angles comme ça. Parce que c'est dangereux. 2 minutes, c'est vraiment cool, les gars. On a du scotch. Pas que j'oublie ça. Quoique non, j'aurais dû le laisser en haut le scotch. C'est pour l'hélicoptère. Et parce qu'on peut réparer un hélicoptère avec du scotch. Okay. Ah ah, de rien du tout. Yes! Yes, yes, yes. Donc. Un délire de viande avec ce zigoto là. Mais on va le taser. Et il me semble que c'est Slendrina si je dis pas de bêtises. Donc là ça doit faire peut-être 1 minute. Ok, meurs. Meurs en forêt. J'ai tué leur gosse, ils vont m'en vouloir. Hein. Dans le doute, je sais pas s'il respawn. On va lui mettre dans l'assiette. Donc tout à l'heure, je pouvais pas faire ça dans la partie précédente que vous n'avez pas vue. Parce que j'ai pas de pied de biche. Et le pied de biche est là. Et là, c'est magnifique. Parce que ça va me débloquer plein de choses. On a des grenades. Oh, what the fuck. Attendez. Ça fait peut-être 2 minutes là pour Granny. J'ai aucune notion du temps quand je suis sous stress. J'ai trouvé des choses. Là, on a une photo. Là, on a la gasoline. Et... on va faire. Je pense que Granny c'est bon là, le temps est terminé. On va tenter la fin de l'hélico. Je sais pas, honnêtement je sais pas en fait. Honnêtement je sais pas trop. Je sais que Granny va respawn. Je peux te faire tomber ça. C'est volontaire, vous inquiétez pas. À droite mais pas à ce point. Ok. What? Les gars, j'ai perdu mon taser. J'ai pas récupéré? Il est où mon truc de taser? Il est où mon truc de taser? The fuck? Dans la merde là, attendez, faut que je le cherche. J'ai récupéré, non? C'est limité? Non, pas possible. Pas possible, les gars. Alors, attendez, c'est peut-être limité en fait. Hein. Et moi, je pensais que c'était illimité. Oh là là, ça va être compliqué. On va faire. C'est limité. La gasoline. On va la prendre, je suis désolé. Je sais pas si elle m'a vu. Ah, nice. Vous avez vu? On aurait un truc ici. Est-ce qu'elle descend, elle? Je sais pas si elle m'a vu.
C'est pas assez ma vue, honnêtement. On a la clé du bateau. On a mis un piège en haut. On a que l'essence. Donc là, il y aura la bête dans l'eau. Je sais que maintenant, faut plus y aller. Comme une double la première fois. Je sais pas s'ils entendent quand je mets l'essence. Donc là, honnêtement, j'ai choisi la fin du bateau. Je sais pas si j'ai bien fait de jeter ça dans l'eau. Là, c'est trop tard pour réfléchir. Et voilà. C'est trop tard pour réfléchir. Bon, honnêtement, si je jetais le bidon d'essence, c'est que je me suis dit qu'il fallait faire un choix. Je sais pas si on peut le réutiliser, ça se trouve, c'est bête ce que j'ai fait. Dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut réutiliser le bidon d'essence ou est-ce qu'on a vraiment vidé tout le contenu dans le bateau? Ça, je veux savoir. Alors maintenant, du coup, ben, on va viser la fin du bateau. Donc, je reprends mon taser, on va taser la première personne qui passe. Possible Granny, c'est la plus dangereuse. Enfin, pour moi, Granny, c'est vraiment la plus dangereuse. Grandpa, sa clé va nous servir. La Grandpa, il nous faut la clé quand même. Combien ça d'utilisation un taser? C'est infini. Ah ah, de rien du tout, mec. Deux minutes. Donc deux. Dégage! Attendre que Granny vienne. Granny est là, je l'ai vu. On va ouvrir la safe key en haut. On va tout faire en mode rapidos. La clé ici. Les photos. Alors vite, on va se dépêcher. What? Ok. Moi j'aime bien quand ça fait ça. Ça me fait perdre du temps. Allez. Faudrait que je monte avec le pied de biche. Ça, j'oublie pas. Là, et la dernière, elle était vers les toilettes. Je sais plus où je l'ai foutu. Rapprochez de nous. Pas deux minutes, je pense. Hein. On va le prendre. Je crois que ça fait pas deux minutes, s'il vous plaît. On prend. On va nous défendre. Ils en respawnent. Ils en respawnent, c'est dangereux. Vérifie. Ah, c'est une safe key qu'ils font. Donc la safe key. C'est exactement la clé d'en haut, ouais. Ouais, je suis là, mec. J'ai récupéré mon taser. Où Granny? Où est Granny? Allez, normalement Granny va arriver là. Je l'ai tué juste après. Oh! Plus jamais ça. Le truc qui flotte dans les airs. Plus jamais, le mec. Ok. Granny est parti deux minutes. On va faire attention. Là c'est bon, on avance bien. Pas une safe key ça? Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, vraiment. End wheel, ça c'est pour le bateau. Pardon? Ah, j'ai peur. Il me troll de ouf le jeu là pour l'instant. Alors. Les deux biches. Yes. Est-ce qu'on a tout là? Faire la caisse en haut, en priorité. Ok. On avance tranquillou. Andorre, donc ça c'est l'entrée normale. On en a rien ici, je vais déverrouiller. On pourra s'en sortir par là. Là. On déverrouille. Ok, cette clé je l'ai jamais eue, dites-vous. Je sais qu'elle est très importante. Hein. Et là vraiment je suis content de l'avoir. Ok. Donc moi je vais attendre qu'il revienne. Et un par un je vais le faire tomber. On va prendre moins de risques. Bon, je pense que ça c'est la clé parce qu'il y a un petit cadenas à côté du bateau en bas. C'est celle-là qu'il me faudra. Là ça va être risqué ce que je vais faire. Là toi. Grandpa il est où? Je sais pas du tout où il est Grandpa. On va avancer les choses petit à petit. Ouais. Et je garde quand même ça, regardez, voilà, c'est important. Ok. La clé, je vais me la jeter en bas. Bon, moi, je suis tranquille.
Voilà, pareil. On récupère ça. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, on a un bateau, on a de l'essence, on a la clé. Allez. On avance les choses petit à petit. Moi, je pense que, tu sais, le volant, ça peut être que pour le bateau. Là, on aura la clé du bateau. Là, on aura la clé pour déverrouiller. Donc, le genre de coffre qu'il y aura à côté. Et ça, je vais fermer. Si ça arrive, je le vois, quoi. Ouais, je deviens très prudent, hein, parce que j'ai pas beaucoup de chance dans ces jeux-là, en général. Donc, on va jeter ça. Ça va bientôt arriver, je le sens. Là, ça devrait faire un peu plus d'une minute. D'accord. Donc, je vais mettre le volant. Boat steering wheel. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est pas ça, un boat steering wheel? Key padlock. C'est ça. Yes. Ça peut arriver à tout moment. Donc ça... Yes. On va pouvoir s'échapper, sinon ça va être difficile avec les barrières. On comprend pas trop. Là, faudrait une bougie. Ni de boat steering wheel. Hand wheel. Non. Clairement, c'est pas ça. Ok, donc je pense que je vais récupérer le pied de biche. J'espère qu'ils sont pas dans les escaliers. Je vais récupérer le pied de biche et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre d'en bas. Celui-là. Ok, elle arrive. Elle prend ça dans le menton. Parfait, si on voit grimper au même moment, vous voyez? Au moins, je sais qu'il y a à peu près le même temps pour les deux. Ok. Du coup, ouais, là, c'est le fusible pour l'hélicoptère. On fera pas la fin de l'hélicoptère aujourd'hui. C'est peut-être la plus compliquée, il me semble. On va essayer de faire la plus simple pour moi, en tout cas. Pied de biche, je l'ai laissé là. Ouais. Prends le pied de biche. Ainsi, voilà. Je vais montrer comment on peut ouvrir la porte. Et après, on peut faire la porte, mais... Bah, me tente pas trop, moi, la fin normale de la porte. Vous me direz, de toute façon, on fera toutes les fins. Honnêtement, on fera toutes les fins. Maintenant que j'ai pris goût à Granny, honnêtement... Je pense qu'on fera toutes les fins. Après, ce qui est niveau difficulté, déconnez pas les mecs, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Déconnez pas. Weapon key. Les gars, c'est parfait ça. C'est parfait ça. De la weapon key, c'est un truc de ouf. On va prendre le fusil et on va dégommer tout ce qui bouge. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Ça part de là. Donc on va remonter. Ouais, on va remonter par là. Donc je vais monter, on va mettre toutes les photos. Vous avez vu maintenant que j'ai pris le fusil, il y a les cartouches qui apparaissent, donc on aura des munitions. Ça, c'est cool. Fermez derrière moi. Ah. Trois photos, je pensais que j'en avais oublié une. Eh ben franchement, non, c'est vraiment cool. Donc voilà, on va mettre les photos. Je sais ce qu'il me faudra. Il me faudra un fusible, faut pas qu'on oublie. Ça, c'est la photo du milieu. Donc ça, c'est en fait un portrait de Grandpa. Et apparemment, c'est une sorte de clé pour ouvrir le verrou. Regardez derrière. Hop là. Là, on l'a fait. Ça. Je sais pas si ça servait à ça, honnêtement. J'ai jamais vu. Je teste. Alors regardez, on a un manuel. Donc c'est pour apprendre à piloter l'hélicoptère. Parce que si on prend l'hélicoptère sans avoir le manuel, on meurt. Bah oui, on n'a pas pris de cours de pilotage. Merde. J'ai confondu. Autant pour moi. Là, je suis en train de faire des bêtises, hein. De faire des grosses bêtises. Là, qu'est-ce que je dois faire? Alors, la fume. Là, devrait, il me faudrait la safe key. Oh, c'était limite là. On va recharger. Je revérifie dans les tiroirs. Les gars. Les gars. Enfin. Enfin, je la trouve. Ça va servir pour là-bas. Je reprends mon fusil, je préfère avoir mes armes à côté. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. J'ai fait une partie d'une heure et demie juste avant ça. Les gars, je vous dis que j'en peux plus. Là, je veux le terminer. Au moins une fin, quoi. Alors là, je vais ouvrir le coffre. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Yes! C'est la bougie qu'il nous fallait. Donc là, c'est la bougie qu'il nous fallait. Merde. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Je vais mettre une arme au cas où en bas. Vous avez vu le... Bougie, je l'ai mal jeté. Comme j'ai dit, on va se récupérer les armes à côté. Donc là, le fusible me permettait d'aller plus loin pour aller voir l'hélicoptère, mais... J'ai jeté l'essence dans l'eau, les gars. Ouais, je suis un enfoiré. Ce sera pas la fin d'aujourd'hui. Pas une autre fin. On aura encore des balles ici, c'est cool. Là, je sais que j'aurai le taser au cas où s'il y a besoin. La bougie. Et on est presque prêt, honnêtement. Hein. Moi, je vois pas ce qui manque, hein.
What steering wheel? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, les gars. Bon, je pense que c'est le volant. Lui, c'est pas le bon volant. End wheel. On va pas pouvoir monter dans le bateau si on n'a pas de volant. On va mourir. Trouve le volant. Absolument. Donc là, on aura encore deux cartouches. Ça, c'est cool. Eux, je vais les fumer. On va les attirer un par un. Je sais plus si c'était 2 minutes 30. Ouais, je crois que c'est 2 minutes 30. Allez, meurs. Wow! Ah, oh. Oh, what? Allez, merci les bugs. Excellent. Je suis abonné aux bugs. C'est un truc de fou. Jour numéro 4. Oh là là, j'en ai marre des bugs. C'est un truc de malade. C'est relou. Ça devient relou. C'est pas grave. On va faire ça. On va les taser. Un par un. Et venez. Et toi, tu viens. 2 minutes. Et si tu viens, tu vas te manger en 2 minutes. Hé, hé, rends-moi. Merci. Ils sont bien moqués de moi. Hein. Je vais récupérer les choses qui me semblent importantes, genre ça. Parce que des fois, la porte en haut se ferme. La porte se ferme, on va voir. Il faudra des balles. Ben, on a nos balles. On a peut-être la pince aussi. Ou la pince. Genre de placard, mais je l'atteins pas d'habitude. Je sais pas comment on y va. On va aller voir ça. Donc quand il réapparaît, je pense qu'il récupère la clé, le vieux. On monte. Jette. Monte. Par là. Drop. Hop là, je récupère mon fusil. Et on monte. Nickel. Là, je me sens en sécurité. Voilà. Donc ça, on l'avait ouvert. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les cibles. Les cibles, on aura besoin pour tout à l'heure. Pour arriver. Vous l'avez entendu, la petite clochette. Faire attention. Ma pince. Ferme derrière. On descend. On détruit ça. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? Hélicoptère key. Donc on a la clé de l'hélicoptère. Là aussi je vais fermer derrière nous pour plus de sécurité. Donc là on a des cibles. Tant que les cibles sont pas toutes activées, je sais que je peux me jeter des balles à l'infini. C'est ce qu'on va faire. Allez. Donc moi j'attends qu'elles apparaissent en bas, ça va être plus simple pour regarder. Vous allez voir. Je suis un peu décalé mais... pas grave. Ok, les balles disparaissent en fait. Je comprends. On va tirer, on va s'en faire apparaître plein. Voilà. Donc là, on peut ouvrir. Là, on a le délire du fusible. Donc, je vous disais, il est ici. On le met. Et normalement, on peut passer. Parce qu'il me semble qu'il y a une sorte soit d'électricité, soit de faux plancher. Donc, c'est bon. Yes. On a l'hélicoptère. Donc, ça, faudra du scotch. Là, je vais déverrouiller de l'autre côté. Ici, on a rien du tout. C'est bizarre. Ouais, l'hélicoptère, on pourra pas le faire. J'ai jeté le bidon. Donc maintenant, je vais tout revérifier. Je vais plus sauter par là. Toutes les fois où j'ai sauté par là, je suis mort. Je cherche le volant, là. La clé de la safe. Il m'a vu. Je peux venir, c'est pas un problème, en fait. Granny va l'entendre, ce coup de feu. Donc Granny va venir aussi. Bon, faut que je trouve le volant. Je me rappelle plus où il est. Je sais même pas si j'ai le trouvé, d'ailleurs. On va faire tomber la table. Peut-être qu'elle entend pas le coup de feu, mais peut-être qu'elle entend une petite table qui tombe. Ça doit l'énerver un peu plus, je pense. Allez, vieille peau. Ok, t'es là. Et bim. Voilà, cette fois, vous m'arnaquez pas sur les balles. J'ai bien tiré. Voilà, faut que je cherche des munitions pour être serein pour après. Il manque un truc. Alors. La branch. Padlock. Ça, c'est la porte d'entrée, je vais vous montrer si vous voulez, on le fait. Poignée. Là. Oh, le volant. Il me faut absolument le volant. Là, je suis bloqué à cause de ça. Hein. Des balles pour le fusil. Je vais regarder le taser, c'est infini. Où c'est qu'il pourrait être le volant? Est-ce que je l'ai pas jeté en bas? Pas perdu la boule. Ok. Ça, je ne sais pas. End wheel.
C'est bon, merci. Endwheel, c'est ce que j'ai mis en bas, les gars. Faire en sorte qu'elle descende pour que je puisse fumer. Endwheel, c'est ici. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je sais même pas comment ça va se passer. Trop dangereux où elle est. Franchement, elle s'est mis dans l'angle. J'ai pris des risques, là. Là, tu vas là. Vanny, elle est partie pour 2 minutes. Donc, Grandpa, on l'avait endormi avant. Donc, Grandpa devrait revenir. Bon, elle est déjà revenue, normalement. Endwheel, on monte. J'espère qu'on croisera pas le vieux. Ok. Yes. J'ai activé quoi? J'ai activé quoi? J'ai activé l'entrée? Ah ouais, j'ai enlevé le portail d'entrée. Oh, attendez, je sais même plus où est le pied de biche. Le pied de biche est là, ok. En fait, je peux prendre l'entrée normale, je crois, là. Pas sûr, hein, mais je crois que je peux prendre l'entrée normale. Je peux prendre les balles, je veux être sûr. On peut prendre l'entrée normale, pourquoi pas. De toute façon, il y a 3 faits, on devra faire les 3. Donc, je vais me faire attraper à la fin. C'est la fin, là? Padlock key. Padlock key, c'était la clé bleue. On récupère. On va la récupérer, les mecs. Alors, padlock key. On a pas de lock key. Donc on fera pas la... Je pensais qu'on allait s'enfuir avec le bateau, mais pas du tout. Aujourd'hui, ce sera pas ça. Ce sera clairement pas ça, les mecs. Pour si Granny est arrivé. Là, j'ai plus aucune idée au niveau du délai, là. Allez. J'ai quand même envie de les buter avant de partir. Juste pour le fun. Allez, je me casse. Yes. On a fait une fin sur 3. Enfin, j'ai galéré. C'était relou. Mais on y est enfin arrivé. Alors, ils me cherchent, ils me trouveront pas. Nickel, la fin.